Bonjour à tous et bienvenue sur Visibilize dans les bonnes et les mauvaises pratiques réseau, édition numéro 2. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de LinkedIn notamment, avec ses bonnes et ses mauvaises pratiques. Alors on voit un bon nombre de profils sur LinkedIn ou même sur Viadeo où la photo de profil n'est pas très professionnelle. Alors en effet, la photo de vacances ou le selfie, c'est pas très engageant et ça manque de crédibilité. Donc vous êtes sur un réseau social pro, vous n'êtes pas sur Facebook, vous donnez des nouvelles à vos amis lors de votre dernier séjour. Faut surtout pas confondre. Donc là encore, c'est votre crédibilité que vous engagez. Toujours pour parler LinkedIn, concernant notamment Pulse, donc qui est la plateforme de blogging de LinkedIn. En effet, ce réseau social a racheté cette plateforme en 2011. Jusque récemment, Pulse s'était ouvert aux influenceurs. Depuis peu, elle est ouverte à tous les utilisateurs et il y a des bonnes règles à respecter pour une utilisation, on va dire, optimale et dans les règles. Donc, il s'agit d'une plateforme de publication et pas vraiment de diffusion. Inutile de placer trois lignes en mentionnant votre nouvelle promo, c'est pas du tout en phase avec l'outil. Rédigez simplement et réellement un article, du contenu, créez du contenu qui apporte de la valeur ajoutée à vos lecteurs sur un sujet pertinent. Partagez tout simplement votre vision ou amenez encore une vision particulière sur un événement auquel vous participez ou que vous organisez. Ça peut être une histoire aussi inspirante en mode storytelling. Là, vous susciterez donc, on va dire, de susciter de l'émotion et de l'intérêt auprès de votre lectorat. Voilà un petit peu pour les bonnes et les mauvaises pratiques réseau concernant LinkedIn. On parlera encore de ce réseau le mois prochain, aussi d'autres réseaux sociaux professionnels. On évoquera aussi dans les nouvelles webmissions les bonnes et les mauvaises pratiques sur les réseaux IRL, c'est-à-dire concernant tous les réseaux physiques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Salut!